le gâteau est sec. Hi guys and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous avoir filmé cette vidéo. Vraiment ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un format je mange et je m'entraîne comme. Donc je sais que c'est vraiment un format qui avait vraiment cartonné lors du confinement il y a 3 ans. J'avais commencé avec je mange comme les Victoria's Secret Challenge, où je fais le Victoria's Secret Challenge. Aujourd'hui si vous avez cliqué c'est pour voir la routine, donc entraînement et food de Justine Galis. Alors il faut savoir que Justine Galis c'est une fitness girl qui est depuis je pense plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube qui comptabilise environ 700 000 abonnés, un compte Instagram qui a explosé ces derniers temps et qui est presque à 900 000 abonnés. C'est une dedicated, elle est vraiment inspirante, moi j'adore, c'est une française, elle est ultra motivante et je trouve que elle a un concept différent des autres françaises qu'on peut trouver, parce que sur sa chaîne vous allez retrouver beaucoup de vidéos lifestyle, il n'y a pas de vidéos que de fitness comme on peut retrouver chez par exemple je sais pas Pamela Reeve par exemple, donc vraiment je l'adore. Dans cette vidéo donc vous allez retrouver les recettes que j'ai testées via son application. En ce moment il faut savoir qu'elle a un challenge 100% gratuit les gars, donc 100% allez voir, elle donne donc un programme de 21 jours gratuit pour perdre du gras. Le niveau est censé être débutant, mais franchement on va pas se mentir, si vous allez regarder cette vidéo vous allez voir que j'ai grave douillé pendant la première séance à la salle. Vous pouvez très bien faire ces séances à la salle ou bien chez vous. Les recettes, donc elle a 16 recettes qui sont gratuites disponibles sur l'application, donc ça c'est vraiment un truc sur lequel on va pas cracher clairement. Vous pouvez télécharger son application Fit Fight Forever qui est donc gratuite pour faire un test et tout, il n'y a pas besoin de payer. Et moi donc j'ai testé quelques recettes, donc une recette déj, une recette de midi et une recette d'anka dans cette vidéo. J'ai l'impression que je fais de l'apnée là. Genre depuis tout à l'heure j'ai pas respiré. On comprend ? Ce que je voulais vous dire c'est qu'à chaque recette que je fais, donc chaque fin de séquence, vous retrouverez la recette que j'ai utilisée via son application. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez refaire ce que j'ai fait sans tout simplement télécharger l'appli, eh bien vous pouvez faire une pause sur la vidéo et vous allez retrouver. Je vous ai fait les captures d'écran des recettes. Bref, je vais pas faire une introduction trop longue parce que j'aime pas ça et que vous non plus, hein, je le sais. Donc on va passer au vif du sujet tout de suite. Yellow Beats. Ooh, Lex. Only been a week or so, trying to find love in the city of gold. Chic as fuck, they, oh my god, killing me to death when I see those eyes. Run until I find that face that drives me in with the body. Bon les gars, c'est parti pour aller à la salle de sport. Je vais faire à peu près une demi-heure parce que sur l'application, vous verrez que les séances du challenge de Justine Galis, Fight Fit Forever, c'est à peu près 30 minutes il me semble. Donc là, on va aller pour 30 minutes. Et puis peut-être que je vais faire 10 minutes de warm-up pour un peu me chauffer le corps. Donc voilà, globalement 40-45 minutes de séance. Au total, là il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle j'ai l'impression, mais voilà, ça va pas être hyper évident de filmer, donc je ne sais pas si j'aurai des grandes séquences et tout, mais en tout cas voilà, je voulais vous prévenir. Mais donc voilà, en tout cas je suis super contente de tester un nouveau challenge, parce que c'est vrai que Justine Galis, moi je suivais pas du tout ses workouts, je suivais tout le temps ses vidéos YouTube lifestyle ou ses conseils nutrition, ses conseils sur le sport. Elle fait même des reviews sur les stars américaines ou australiennes qui sont dans le fitness, donc moi j'aime bien comment elle parle, j'aime bien son mood, j'aime bien son humeur. Bon là je vous dis qu'il y avait pas de monde et là je suis en train de voir que les voitures elles commencent à se remplir dans le parking, donc j'arrête de parler et j'y vais. À tout de suite. Hey, salut à tous, c'est Justine, bienvenue dans votre séance numéro 2 de votre programme 100% gratuit challenge. You, I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want.
j'ai grave douillé pendant la séance de sport, c'est hyper effectif et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai eu des courbatures de dingue le lendemain et le surlendemain, je suis allée au taf, j'arrivais pas à marcher, clairement. Donc faites attention, prenez pas les haltères de fou au tout début, hein, c'est pas la peine de se mettre dans le mal, on veut toujours dans la durée, dans la continuité pour ne pas abandonner, c'est hyper important. Mais bon voilà, moi franchement j'ai grave douillé et j'ai senti les 30 minutes, c'était hyper intense, donc je recommande à 100% les workouts de son application et du challenge. Donc là les gars, on va se faire le déjeuner, donc je vais sur l'application dans l'onglet recettes et en gros bah là j'allais préparer donc des brocolis. Comme je regarde ses vidéos, je sais comment elle fait ses brocolis, elle dit qu'elle les fait toujours à la vapeur, donc on va les faire à la vapeur et avec des boulettes de viande. Mon frère, à chaque fois que je lui dis on va manger des brocolis, il me dit on va manger des petits arbres. C'est vrai que ça ressemble à des petits arbres. Voilà, donc quelques fleurs, quelques fleurettes. Pas tout prendre, donc je vais laisser ça. Ça qui sera dans l'assiette. 3 hours later. Pour la sauce, donc un yaourt grec, un peu de citron, coriandre ciselée, sel, poivre. Pour être très honnête, je pense que si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous passerez sûrement de la sauce et les boulettes de viande, vous n'allez pas prendre le temps de les rouler dans la farine. Mais clairement, vous allez faire une grosse boulette de viande comme un steak et des brocolis, ça prend pas de temps. Là, c'est le week-end, donc j'ai le temps de le faire. Donc j'avais envie aussi de découvrir de nouvelles recettes parce que c'est quelque chose que je connais pas. Perso, les boulettes de viande, je les ai jamais roulées dans la farine, donc on va faire ça ensemble et puis on va découvrir ensemble. Trop bon. Si vous aimez pas les brocolis, cette sauce elle fait la diff. Vraiment. Et comme d'hab, je commence par les brocolis parce que j'ai été matrixée par le livre de Jessine Chospé, Glucose Révolution. Donc vraiment, je commence toujours par les légumes, puis les protéines. Donc ma mère, elle a goûté une boulette. Elle a dit que c'était incroyable. Donc j'ai pas encore goûté, mais franchement déjà la sauce et tout, c'est incroyable. 10 sur 10. 10 sur 10 la recette. Allez, je goûte juste la viande pour que je puisse manger tranquille. C'est trop bon. Trop bon. Pour la recette de l'anka sucrée, vous aurez besoin d'une pomme, de chocolat noir, d'amandes concassées. On va faire des rondelles, on va couper la pomme en rondelles, on va faire fondre le chocolat et on va concasser l'amande. On va faire un très beau mélange et ensuite on va mettre ça 5 à 10 minutes au congélateur. Et vous allez voir, ça va vous faire un peu l'esprit pomme d'amour, mais toujours healthy. Donc là c'est une recette que j'avais vue sur un de ces réels et que j'avais jamais fait. Du coup je fais cette vidéo, c'est le moment de vous montrer ça, donc c'est parti. Bon, Justine Galis, elle met ça dans une plaque. Donc une fois que vous avez fait fondre votre chocolat, que vous avez vos petites rondelles, eh bien il suffit de tremper les pommes dans le chocolat. Thank you.
va goûter. La pomme et l'amande avec ce petit goût chocolat noir là. Trop bon. Je recommande 50 je recommande 100 fois. Bon allez, je vais goûter à ma mère. Crash test, je fais goûter à ma mère. Vas-y maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais goûter. Voilà. Oh là. Il faut une goutte. Comme ça. Oh. Comme ça. Vas-y. Je fais goûter. Ouais. Vas-y. Je te donne un gros morceau. C'est un bon dessert. C'est bon ou pas? Bah ouais, c'est super bon. Même ça au restaurant après un repas. C'est trop bon les gars. Je valide 100%, 10 sur 10. Driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. Rien, les gars. Ça ressemble à rien. J'ai peur, je sais pas. Ok les gars, bon ça ressemble plus à de la pâte au chocolat, donc ok. Et ensuite elle dit de mettre au fond un chocolat. Bon, j'en ai mis 2 minutes ou j'ai pas trop compris. Et du coup Justine elle nous dit qu'on peut accompagner le mug cake avec du yaourt blanc, du fromage blanc. Donc moi je vais prendre du skyr très sincèrement et je vais rajouter quelques fraises. Voilà, donc là il est prêt notre mug cake. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre dans une petite assiette. Je vais le remettre dans une petite assiette et je vais vous faire le petit topping pour faire la présentation. Et voilà ce que ça donne. Donc écoutez, on va goûter ça tout de suite ensemble. La farine, la levure, tout ça au micro-ondes, je trouve ça trop bizarre. Le gâteau est sec. Le gâteau est sec. Ah, le gâteau il était sec. T'es pas menteuse toi. Maman, le gâteau t'appuyait dessus. Il y avait le jus qui sortait. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'elle dit de rajouter le fromage blanc. C'est pour genre faire un combo fromage blanc. Moi, j'ai rajouté la fraise plus le truc. À mon avis, ça va être mieux. Parce que le gâteau est sec. Le gâteau est trop caoutchouc là. Trop caoutchouteux. Goûtez le mélange. Je suis sûre que le mélange ensemble, ça doit être bien. Ok. C'est pas ouf. Après, ça se trouve, vous allez tester, vous allez trop aimer. Hein. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vous remarquerez que j'ai fait mon intro et mon outro en même temps parce que bah, clairement j'ai pas eu le temps de le faire pendant la semaine. Donc ce que j'en ai pensé, c'est que les workouts sont hyper cool. Franchement, ça travaille de fou. Je pouvais plus marcher quand j'allais au taf. Vraiment, elle m'a défoncé les fesses. D'ailleurs, j'ai vu les photos. J'ai pris une photo de ma congestion après le workout. Honnêtement, mes fesses, elles ont eu un pump comme ça. J'ai jamais eu un pump comme ça, clairement. Donc on va pas se mentir, son workout il était super bon. Les recettes, honnêtement, j'ai trop aimé le plat. L'anka était aussi incroyable. Après le petit déj, la mug cake, pas trop fan. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres recettes qui sont hyper cool à tester. Il y a beaucoup de vidéos je mange et je m'entraîne comme. Mais honnêtement, j'ai pas vu énormément de Justine Gallis. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, elle est hyper populaire aussi et elle donne le peps. Donc honnêtement, je la recommande à 100%. Et j'étais trop contente de vous filmer cette vidéo. Voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur YouTube ou tout de suite sur mon Instagram et n'oublie pas de t'abonner. Ciao !